Bonjour à tous, assalamu alaykoum wa ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. Aujourd'hui, une compréhension de texte, c'est-à-dire que je vais vous proposer un petit texte de quatre phrases et je vous poserai quatre questions sur la compréhension du texte auxquelles vous essaierez de répondre, de m'envoyer ça, Facebook, Messenger, Telegram comme d'habitude. Et je mettrai la correction à la fin. On va commencer par le texte. Sa la ma. Salama. Vous entendez pour le L, il y a la shadda. Quand il y a la shadda, c'est que la lettre est doublée. On la prononce deux fois, avec sukun et avec la haraka qui est après. Salama. Tariq ala fethi. Salama. Tariq ala fethi. Ta'arrafa, ta'arrafa, Tariq ila fethi. Ta'arrafa, Tariq ila fethi. Fethi bi khayrin. فتحي بخير والحمد لله. طارق طارق بخير والحمد لله. Une lecture rapide maintenant. سلم طارق على فتحي. تعرف طارق إلى فتحي. Fethi bi khayrin walhamdulillah. Tariq bi khayrin walhamdulillah. Maintenant, on passe aux questions. Je ne vais pas les expliquer pour voir si vous allez me trouver la réponse juste en retrouvant les verbes et les mots qui se ressemblent. Men. Men, ça veut dire qui, hein? Men, là j'explique, vous voyez. Men sallama ala fethi. Men. Sallama ala fathi. 2. Ila man ta'arrafa Tariq. Ila man ta'arrafa Tariq. 3. Hal fathi bi khayrin. Hal fathi bi khayrin. 4. Hal Tariq bi khayrin. Hal Tariq bi khayrin. Arrêtez la vidéo, relisez le texte, faites l'exercice, écrivez vos réponses, puis après, reprenez la vidéo pour trouver la correction qui est vraiment très très facile, même si on est débutant. On reprend la question, première question pour la correction. Men sallama ala fathi. Sallama Tariq ala fathi. Donc la réponse c'est Tariq. Si on veut répondre par une phrase, on va dire Tariq sallama ala fathi. Ou bien on va dire sallama Tariq ala fathi. Deuxième question. Ila men ta'arrafa Tariq. Ila men ta'arrafa Tariq. Ta'arrafa Tariq ila fathi. Donc la réponse c'est fathi. Il a rencontré Fethi. Thalatha, hel Fethi bi khayrin. Hel Fethi bi khayrin. Est-ce que Fethi va bien? La réponse, Fethi bi khayrin. Alhamdoulillah. Ou on peut dire aussi, na'am. Tout simplement, oui, na'am. Ou bien, Fethi bi khayr. Pareil pour Su'el raqam 4, Su'el, question, raqam 4, numéro 4, Su'el raqam 4, Hal Tariq bi khayrin? Hal Tariq bi khayrin? On peut répondre na'am, tout simplement. On peut dire na'am Tariq bi khayrin ou dire Tariq bi khayrin. Voilà pour cette première vidéo de compréhension de texte. Je vais commencer avec des petits textes pour aller vers de plus grands. Assalamu alaikum, travaillez bien.